Bonjour. Bonjour Bertrand. Vous êtes une des cofondatrices de MyFeedback qui fait dans le feedback. En fait, le feedback, c'est les retours clients. C'est quoi? C'est des questionnaires notamment? Tout à fait. Donc MyFeedback, c'est un éditeur de logiciels. On a créé une solution qui permet aux entreprises de collecter du feedback client et d'enrichir leurs connaissances clients, leur base CRM, et ce via du questionnaire, et des questionnaires un peu particuliers puisque nos questionnaires sont intelligents. L'idée, c'est vraiment d'analyser le comportement du visiteur ou de l'acheteur sur un site, notamment sur des systèmes e-commerce, pour déclencher le questionnaire au bon moment dans le parcours client, aller capter les feedbacks le plus chaud possible. Et donc du coup, on va récolter des informations qui sont de divers types, hein. On va chercher des notes de satisfaction client, de l'acquisition de contacts qualifiés, et puis plus largement, permettre aux entreprises d'aller capter de la donnée qu'ils ne peuvent pas capter autrement pour venir enrichir leurs connaissances clients. Vous avez des grands comptes qui travaillent avec vous, il y a Leclerc, il y a la SNCF, il y a Orange. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la SNCF par exemple? Quel type de questions vont être posées à un moment précis? Alors avec la SNCF, c'est un très beau projet puisqu'ils utilisent MyFeedback pour évaluer l'ensemble de leurs services sur le territoire français. Est-ce que vous additionnez à ça des données comportementales sur les sites? Tout à fait. On a un outil d'analyse comportementale qui permet entre autres de déclencher le questionnaire au bon moment, mais aussi ces données comportementales, on va les intégrer en fait au feedback, ce qui va permettre au niveau des analyses d'avoir des indicateurs encore plus poussés, non pas seulement basés sur le contenu de la réponse, mais également cela permet de mettre en perspective le feedback avec des données comportementales. Ça veut dire qu'à partir de 2-3 questions, on commence à flirter avec le big data finalement à l'arrivée. Tout à fait, clairement. MyFeedback aujourd'hui se positionne clairement entre l'institut de sondage et les solutions big data. L'idée de MyFeedback, c'est vraiment de démocratiser l'usage de la data et la création de ces rapports. Et l'outil permet également de programmer l'envoi des rapports de croisement de données directement aux collaborateurs. Et on a certains clients qui envoient plus de 100 rapports journaliers à l'ensemble des collaborateurs pour alimenter la prise de décision. Vous êtes une start-up de Toulouse au départ, qui aujourd'hui flirte avec le marché américain. Vous avez ouvert une filiale à New York. Le marché américain est en pleine explosion sur le sujet aujourd'hui. Nous, on est clairement liés à l'évolution du marché du CRM, qui atteint une maturité extrêmement forte sur le marché américain. Du coup, les problématiques d'enrichissement de CRM sont de plus en plus nombreuses, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de s'installer sur le marché américain avant de revenir sur l'Europe un peu plus tard. Ça fonctionne sur site, sur application mobile par exemple, mais pas que, dans les emails, dans des SMS, via des QR codes aussi, vous utilisez pas mal ce système-là? Oui, tout à fait. La force de MyFeedback, c'est d'être multicanal, c'est de permettre à l'entreprise d'avoir une solution unique pour utiliser l'ensemble de ces médias. Donc effectivement, tout ce qui est site web, application, on travaille sur des technologies de beacon également pour tout ce qui est déclenchement de notifications indoor. On travaille également par de feedback directement par SMS maintenant, sans passer par le web. Donc c'est un de nos challenges aussi, c'est de permettre à l'entreprise de couvrir l'intégralité de ces médias. Et jusqu'à présent, il y a une palette assez large.